Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une triste nouvelle, une de plus malheureusement, puisqu'on apprend le décès du fils de Lino Ventura. En effet, l'entourage de Lino a annoncé une terrible nouvelle ce mardi 3 mai. En effet, Laurent, l'unique fils de l'acteur italien, est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 72 ans, 72 ans pour les Français, rapporte Pure People selon la confirmation de ses proches. Décrit par l'hebdomadaire L'Est républicain comme une personne très accessible, le frère de Mylène, Linda et Clélia travaillait avec intelligence à la mémoire de la carrière fabuleuse de son papa, Lino. L'ouvrage intitulé Lino Ventura, coécrit avec Luciano Melis, avait été publié en 2019 à l'occasion du centenaire de la naissance de Lino. Invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, l'auteur avait évoqué cette œuvre chère à son cœur. Cette démarche sort un peu de l'ordinaire et on s'est aperçu que beaucoup de personnes voulaient témoigner même en dehors du cinéma. Père de plusieurs enfants, Laurent Ventura laisse derrière lui sa veuve Marie-Laure et sa sœur Clélia. On souhaite énormément de courage à tout l'entourage.